Des questions? Attends, attends, on va te passer le micro. En fait, il y a une question que je me posais et au tout début, vous avez répondu à la question parce que ça m'avait également mis un doute et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal que quand quelqu'un prophétise, qu'il parle du Seigneur, pourtant le Seigneur n'est pas un Seigneur de, un Dieu de désordre et ça fait tout ça. Donc, des fois, je doute en fait. C'est normal. Je doute parce que je me dis que le Seigneur n'est pas un Seigneur de désordre. Quand il donne une prophétie, quand même, c'est un truc qui est assez carré et que lui aussi, la personne qui la donne, est censée suivre le... Donc, je bénis le Seigneur parce qu'il a répondu à ma question. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est imaginez, on a affaire souvent, on passe plus de temps avec les inconvertis qu'avec des chrétiens. D'accord. Si vous allez à l'école, vous allez passer 8 heures du temps avec vos amis à l'école ou au travail, 8 heures de temps. Et entre nous, pour ceux qui se retrouvent les dimanches, bah, ils se retrouvent quoi, 2 ou 3 heures. Il y en a qui peuvent se retrouver toute la journée, c'est vrai, mais contrairement aux gens du monde, nous, on passe très peu de temps entre nous. Et imaginez, l'Esprit vous met à cœur un message à l'école ou au travail. Comment vous allez le transmettre. Voyez? Donc nous sommes des canaux. Et un canal qui n'arrive pas à se contrôler, à se discipliner, est un canal qui va mettre beaucoup de zizanie, beaucoup de dégâts, faire des dégâts. Et moi je vois, j'ai vu, je vois la dernière fois, il y a eu des manifestations de l'esprit par exemple, ou pas. Souvent, depuis des années, je veux dire, je vois des frères et sœurs qui sont saisis par l'esprit, qui peuvent être amenés à donner des messages, à parler de l'esprit, tout ça. Mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'il y a le péché, par exemple. Vous voyez? Et je parlais encore avec un couple, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas exposer votre vie, mais ça, je veux juste prendre ça comme témoignage pour montrer à quel point les manifestations de l'esprit doivent vraiment, comme Paul le dit dans Corinthiens 14, il faut que la parole soit au-dessus. Il faut tout éprouver. Et pourquoi? Parce que je parlais notamment avec deux personnes, un homme et une femme, la dernière fois, qui ne sont pas mariés, mais qui ont des rapports sexuels. Et ils étaient convaincus, le frère notamment, que l'esprit a autorisé cela. Et on peut voir des manifestations chez eux. Vous voyez à quel point l'esprit, l'ennemi peut infiltrer les assemblées avec les dons, si ces dons ne sont pas soumis à la parole. Voilà. Donc ça va très très loin. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment, il faut que les dons. Regardez la seule église dans la Bible où il y avait tous les dons spirituels, c'était les églises de Corinthe. Et c'est les églises où il y avait plus de charnel, il y avait plus de péché, toutes sortes de désordres. Pourquoi? Parce que ben, les dons, c'est au niveau de l'esprit, et ça peut toucher aussi l'âme, le siège des émotions. Donc du coup, nos émotions se mêlent, se mélangent, et on confond les choses. Et là, quand c'est comme ça, ben, on peut malheureusement faire des dégâts. Et il y a des dégâts qui se font. Vous vous rendez compte, une fausse prophétie qui vous est donnée, parce que toute prophétie est censée produire de l'espérance, de l'espoir. Et une prophétie qui vous est donnée, qui n'est pas du Seigneur, ben, elle peut vous orienter ailleurs. Et vous allez vous accrocher à une prophétie alors qu'elle n'est pas du Seigneur. Et vous pouvez perdre des années comme ça. Je prends un exemple. Quelqu'un vient et il vous dit, voilà, le Seigneur me dit, un tel, c'est ta femme. Tel homme est ta femme. Ton mari, pardon. Et imaginez cette sœur qui reçoit cette prophétie et qui croit vraiment que cet homme est son mari. Ben, alors, ce n'est pas du Seigneur, cette prophétie, elle n'est pas du Seigneur. Et cette femme peut perdre 20 ans comme ça, attendant que la prophétie se réalise, alors que ce n'est pas le Seigneur qui a parlé. C'est pour cela que personnellement, on a fait des erreurs comme ça dans le passé, hein, parce qu'on apprenait. C'est pour cela que personnellement, vous ne me verrez plus jamais dire à quelqu'un, le Seigneur m'a dit, un tel est ton mari, un tel est ta femme. Jamais, jamais de la vie. Jamais. J'ai vu, je me rappelle, mon frère David, que j'aime beaucoup, et avant de se marier, j'ai vu des sœurs venir me voir,
plusieurs sœurs me disant, Dieu m'a dit, à l'époque, que David est mon mari. Au moins 7 sœurs, je les avais comptées. Chacune d'elles disait, le Seigneur a dit, celui-là c'est mon mari. Vous vous rendez compte? Avec conviction. Donc vous voyez, le domaine de la révélation est un domaine très très délicat, très fragile. Et s'il y a, vous voyez, c'est pour cela que la parole doit être toujours au-dessus de toute chose. On ne doit jamais mettre les expériences sur le même pied d'égalité ou au-dessus de saintes écritures. C'est vraiment important. J'entends souvent dans les milieux évangéliques, chrétiens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et ça, ça fait des dégâts. Oui, il parle. Mais comment il parle? C'est quoi son langage? Et justement, je pense qu'on pourra parler de cela. Et le langage d'Élohim. Comment Élohim parle-t-il? Ok, on va le prendre. Allô, bonsoir, frère. Oui, bonsoir. C'est le frère Mario, j'habite en Guyane. Allez. Donc, je voulais donner un message simple. C'est qu'en fait, j'ai été de ceux qui disaient que tu étais sorcier. Et en fait, vraiment, le Seigneur un jour il m'a dit dans la prière, prie pour Chorakweto. Et j'ai dit, ah, mais Seigneur, c'est ton serviteur. Et il m'a dit, bien sûr, c'est mon serviteur. Et depuis ces années-là, c'était en 2017 quand il m'a dit ça, ma vie, elle a totalement changé. Et à mon tour, on me disait aussi que j'étais un sorcier. Mais maintenant, je suis vraiment dans la marche et vraiment, je voulais te demander pardon. Aujourd'hui, je prie pour tout ce que le Seigneur t'aide à faire, enfin, plutôt qu'il fait, puisque c'est le Seigneur qui fait. Amen. Donc, sois fortifié. Et je voulais te dire une autre chose, c'est que j'ai fait un songe il n'y a pas longtemps. Dans ce songe-là, tu dormais dans ta chambre. Et il y a une femme qui est venue, elle disait, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Et toi, tu disais, mais comment t'es rentré ici? Qui t'a permis de faire ça? Et elle commençait à se déshabiller. Alors, quand t'as vu ça, t'as commencé à fuir parce que t'avais une issue de secours secrète. Et donc, quand t'as appuyé sur ce bouton-là, l'issue de secours, elle s'est ouverte. Et là, vite, t'es passé par cette issue de secours, il y avait une voiture qui t'attendait et t'as fui. Voilà. Et en fait, tu partais pour un endroit, on ne sait pas où c'était. Et cette femme, elle courait après toi, mais elle t'a perdu après, elle ne savait plus où tu étais. Et donc, le Seigneur, à mon réveil, il m'a fait comprendre que tu étais beaucoup persécuté, mais que le Seigneur te donnait des coups d'avance sur tes ennemis et que tu fuyais le système. Tu fuyais le système et tout ce qui se fait pour te détruire, en fait. Et donc, à travers ce message, le Seigneur m'a dit, Mario, tu dois faire comme Chora, comme mon fils, tu dois fuir les sirènes. Ah, et parce qu'avant, moi, je croyais qu'on pouvait les combattre. Et je m'étais trompé, en fait. Et je sais que c'est le Seigneur qui combat. Amen. Mais j'ai compris le message du Seigneur dedans. Que le Seigneur soit béni. C'est que, voilà, que le nom du Seigneur soit loué. Je voulais juste te dire toutes ces choses depuis des années, mais là, j'ai senti que c'était le moment parce que mon fils, il dort sur moi. Et là, j'ai dit, parfait, c'est le moment, je peux appeler. Donc, voilà. Gloire au Seigneur. Envoie-nous ton adresse postale, on va t'envoyer une Bible. Ah, merci. Okay. Bon courage, tu es pardonné. Amen. Ben, gloire au Seigneur. Voilà, le langage du Seigneur. Et tous les humains, d'où qu'ils viennent, moi le premier, personne en fait ne peut vous dire qu'il sait et qu'il comprend tout ce que le Seigneur lui dit. D'accord ? Et on est humain, nous avons tous des défauts,
et nous avons des carences, nous avons plein de failles et nous avons parfois du mal à décoder les choses, à interpréter les choses que le Seigneur nous donne. Aussi bien en songe, en rêve, qu'en pensée, conviction, même quand on lit la parole, tout ça. D'accord ? Le langage du Seigneur. La parole nous dit dans Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend à travers la parole du Seigneur. On entend par le moyen de la parole du Seigneur. Voilà, donc on va prendre ce passage, on va le lire, Romains 10, 17. Alors tout à l'heure dans le bureau, j'étais là, je disais, Seigneur, je parle de quoi, comme d'habitude. Soit il te donne le message à l'avance, soit tu te jettes à l'eau et puis il te donne le message après. Donc Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim. Donc, on a vu la dernière fois que la foi a pour source la parole. Et le moyen pour entendre, c'est la parole. Donc la parole est à la fois la source et le moyen pour entendre. Et dans toutes les écritures de Genèse à Apocalypse, on voit le Seigneur parler à son peuple. Et particulièrement, il interpelle son peuple par rapport à l'écoute. Et il y a cette prière, la prière la plus connue chez les Juifs, que beaucoup connaissent, Shema Israël. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dans justement Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4. Et la prière de Shema Israël a été révélée par le Seigneur à Yaakov. Yaakov est le premier homme à avoir enseigner cette prière à ses enfants. Nous sommes dans Genèse 49. Avant de mourir, Jacob va rassembler les 12 princes, il va rassembler ses enfants, il va leur dire « Shema Israël, votre père. Écoutez, Israël, votre père. » Voilà. Et alors, dans « Écoutez » dans le « Shema » ou « Shema ». « Shema ». Le « Shema » ici, entendre, comprendre, donc entendre, écouter aussi, voilà, et obéir. Donc j'entends, je comprends et j'obéis. Vous ne pouvez pas obéir au Seigneur si vous ne l'entendez pas. Donc, il faut l'entendre. D'accord ? Donc, on entend un son, on le comprend et on obéit. Donc, vous ne pouvez pas obéir si vous n'avez pas entendu. Vous ne pouvez pas non plus obéir si vous n'avez pas compris quelque chose. Pour obéir à un ordre, il faut l'entendre, il faut aussi le comprendre. D'accord ? Donc c'est pour cela que dans le chemin Israël, il y a vraiment ces trois aspects-là. Donc, il y a là, j'entends ou j'écoute, je comprends ce que j'ai entendu, j'ai compris, et là je peux obéir. Pourquoi beaucoup n'obéissent pas au Seigneur ? Parce qu'ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Vous comprenez ? Mais pourquoi ils ne comprennent pas ? Ben parce que c'est le Seigneur qui donne la compréhension. Ah, justement, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il est dit que le Fils d'Élohim est venu et nous a donné l'intelligence. Or, intelligence ici veut aussi dire pensée ou encore compréhension. Et il nous a donné, n'est-ce pas, la compréhension pour croire en lui. Et quand le Seigneur prêchait la parole, quand il enseignait l'évangile, il y avait des foules. Pas seulement une foule, mais des foules. Mais ces foules ne comprenaient pas la parole, n'obéissaient pas au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il leur manquait justement la compréhension. Donc on ne peut pas obéir au Seigneur si on ne comprend pas son langage.
Imaginez, ça je le dis souvent, si je viens et que je vous dise, si je viens vous dire, ou si je dis, par exemple, je ne sais pas, Vini, par exemple, Vini, bon, ben, hein, nos frères des Antilles, nos frères et sœurs, ils vont comprendre, Vini. Hein? Mais il y en a, ils ne vont pas comprendre. Je dis, Yaka, tout le monde entend. Comme Vini, tout le monde entend. Donc, entendre, c'est facile, tout le monde peut entendre. Mais il faut comprendre, que signifie Yaka? J'ai entendu Yaka, mais ça veut dire quoi? Voyez? Parce que Yaka, c'est un appel. Yaka veut dire viens. Mais celui qui entend Yaka et qui ne sait pas que Yaka veut dire venir, hein, il faut venir, c'est un appel, mais il ne va pas obéir à cet appel-là. Parce qu'il a entendu, mais il n'a pas compris. Or, beaucoup de chrétiens, en fait, de Genèse à Apocalypse, la clé de la réussite, bien sûr, c'est le Seigneur, c'est l'amour, mais en fait, c'est l'obéissance, tout simplement. Quand des gens me disent, c'est quoi ton secret? Je dis, c'est le Seigneur, bien sûr, qui a tout fait. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui a tout accompli. Mais une des grandes clés que nous avons dans la parole, c'est l'obéissance. Tout simplement, l'obéissance. L'obéissance te rend disponible, disposé, pour être utilisé par le Seigneur. Des gens pensent que pour voir la gloire du Seigneur, il faut faire 3 jours à sec. Non. Ou 2 jours de jeûne, ou une semaine de jeûne. Non, jeûner, c'est biblique, oui, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le jeûne qui produit les choses, les miracles. Pas du tout. Non. Parce que le jeûne, c'est pas une méthode. Ce n'est pas une méthode. Donc, c'est tout simplement l'obéissance. Et le Seigneur dit quoi dans 1 Samuel? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà. L'obéissance. Or, l'obéissance coûte cher. Celui ou celle qui obéit au Seigneur va automatiquement avoir des soucis avec les hommes. Parce que si le Seigneur te dit « arrête-toi là », beaucoup de gens vont vouloir te dire « non, non, on continue ». Alors qu'à toi, le Seigneur te dit le contraire. Donc, ceux et celles qui sont obéissants sont impopulaires. Imaginez Gédéon. Gideon, il partait en guerre avec 35 000 soldats. 32 000. Et le Seigneur lui dit, tu vas retirer 31 700. Ces soldats s'étaient déjà préparés. Il y en a qui étaient craintifs, peureux, pleutres, certes. Mais beaucoup s'étaient préparés déjà pour cette guerre. Et arrivé auprès de cet homme, de Gideon, Gédéon, ils entendent, non, ben non, vous allez rester. On retire 31 700. Eh bien, il y avait la pression, parce que quand tu obéis au Seigneur, il y a forcément la pression de l'autre côté. Il y a des gens qui vont dire, non, c'est pas normal, on a tout sacrifié, on a tout préparé, tout ça. Non, le Seigneur dit, 300 personnes. Voilà, l'obéissance. Et on a vu à chaque fois dans la parole, on voit à chaque fois les gens qui ont obéi au Seigneur, comment ces gens ont remporté des victoires. Pourquoi ils ont rapporté les victoires? Parce qu'ils ont obéi. Et pourquoi ils ont obéi? Parce qu'ils ont entendu. Ils ont compris et ils ont obéi. Voilà. Vous avez vu dans Actes, quand l'apôtre Paul parle de son expérience, sa rencontre avec le Seigneur, dans Actes 9, il dit que les gens qui l'accompagnaient avaient bel et bien entendu la voix. N'est-ce pas? Et dans Actes 22, là-bas, il dit que ils n'avaient pas entendu la voix. C'est comme s'il y a une contradiction. C'est le même verbe. Hein? Waouh! Quand on traduisait justement les Actes des Apôtres et du grec en français, là j'étais buté sur ce passage-là. Je me disais, mais ça, il y a une contradiction. Tu dis qu'ils avaient entendu, et là tu dis qu'ils n'avaient pas entendu. En fait, comme le grec, un mot ou un verbe grec, comme en hébreu, peut avoir plusieurs significations. En fait, on a compris que le deuxième verbe, qui est toujours le premier, qui a été utilisé, le même qui est utilisé dans Acte 9, mais cette fois-ci par rapport au contexte, en fait, Paul parlait de la compréhension. Donc, le premier, dans Acte 9, on dit qu'ils avaient entendu, mais le deuxième, le même verbe qui est utilisé pour la deuxième fois, là, on nous dit qu'ils n'avaient pas compris. Ils avaient bien entendu la voix, mais ils ne l'avaient pas compris. Voilà. Vous avez vu? Donc, ils avaient bien entendu la voix, tous,
sans le comprendre. Or, dans d'autres Bibles, hein, ils disent carrément, ils avaient entendu, acte 9, et là, ils n'avaient pas entendu. En fait, c'est comprendre, comprendre, mais le même verbe. Donc, ils ont bien entendu la voix du Seigneur qui parlait à Saul, 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 et ils n'ont pas compris. Et seul celui qui avait reçu l'appel, donc Shaul, Saul, ou Paul, seul cet homme a pu décoder, comprendre le message. Donc ça veut dire que là, on peut être nombreux. On peut être dans une assemblée, être nombreux, je ne sais pas combien de personnes. Seule la personne que le Seigneur appelle, à qui le Seigneur confie un message, va comprendre le langage du Seigneur pour cette génération. Imaginez, le langage du Seigneur qui n'est pas déjà beaucoup compris par des chrétiens. Et si vous le comprenez, vous le saisissez. Donc, il y a des gens autour de vous qui ne vont pas vous comprendre parce que vous, en fait, une fois que vous avez compris le message du Seigneur, votre vie devient un message. Donc, vous risquez de ne pas être compris. Et quand j'entends ce frère qui appelle de la Guyane pour demander pardon, qui pendant des années m'a traité de sorcier, je dis, il n'est pas le seul, de plus en plus les gens le font, je dis, Seigneur, merci. Imaginez maintenant l'époque où ces gens me combattaient, si j'avais arrêté le message. Quand le Seigneur me disait, arrête avec la dîme, dénonce la dîme comme étant une pratique de la loi, dénonce les bâtiments, dénonce telle chose. Et ces gens qui disaient, non, il a dévié, il a changé de message. Si je n'avais pas, si j'avais cédé à leur pression, imaginez les conséquences. Ouais. Le Seigneur serait parti loin, parti en avant, devant, plus loin. Et je serais resté seul sans le Seigneur. Voilà notre problème, le langage du Seigneur. Comment il parle? Là, je suis juste à l'introduction pour que vous compreniez un peu le message qui va être donné tout à l'heure. Donc, le langage, c'est quoi? Ben, c'est une parole qui est émise, tout ça, et une vision, un songe, et tout. Mais là, comment le comprendre? Beaucoup de chrétiens, il y a des chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui lisent la parole. Mais quand on revient dans leur vie, il n'y a rien, il n'y a pas de percée, ils font du surplace, tout ça, ils ne comprennent pas, mais pourquoi on n'avance pas, tout ça. Mais est-ce que tu obéis au Seigneur? Et là, ils vont te dire, oui, mais obéir, mais je ne comprends pas quand le Seigneur me parle, j'ai des difficultés à comprendre tout ça, je ne sais pas si c'est mes pensées, ce sont mes pensées ou c'est moi-même, tout ça. Et je me rappelle, il y a 22 ans, je suis allé dans une assemblée à Palaiseau. Quand je suis rentré, c'était une assemblée de quoi? 15 personnes, moins de 15 personnes. À peine que je suis rentré dans ce bâtiment, le Seigneur me dit, cette femme est stérile. Alors le pasteur était devant en train de prêcher je fais une petite note comme ça, sagement, je lui envoie et tout. Alors, je lui ai dit, écoute, le Seigneur me dit qu'il y a une femme ici qui est stérile. Il serait bien que tu pries et qu'on prie pour elle. Ok, le pasteur fait l'appel. Bon, il y a une femme ici qui est stérile, tout ça. Personne ne s'est levé. Alors, j'étais embêté. Je lui disais, mais c'est bizarre, Seigneur, tu m'as parlé clairement pourtant. Et à la fin, j'étais honteux. Je disais, mais c'est bizarre, je me suis trompé. Ça y est, c'était pas la voix du Seigneur que j'ai entendue, c'était ma propre pensée. Et à la fin, le Seigneur me dit, non, je ne t'ai pas dit une femme qui est ici. C'est cette femme, l'Église, cette Église est stérile. Et effectivement, c'est une Église qui existait depuis au moins 10 ans. Il y avait toujours moins de 15 personnes, ça ne grandissait pas. Il n'y avait pas de gens de formés et le pasteur, par la suite, est mort parce qu'il n'était pas appelé par le Seigneur. Je me rappelle, parfois, on s'enfermait avec lui parce que je suis resté dans cette assemblée, quoi, 6 à 7 mois. Parfois, ce pasteur, il faisait 3 jours de jeûne à sec. Il se retirait en retraite de prière pour chercher la face du Seigneur. Et moi, j'étais là, je mangeais normalement. Et quand il sortait de sa retraite, il me disait, est-ce que le Seigneur t'a parlé? Et je lui donnais des messages du Seigneur. Et je disais, mais toi, tu as été chercher la face du Seigneur, mais comment, tu n'as rien reçu? Non, rien, rien. Mais pourtant, moi, j'étais pas sur la montagne. Vous voyez? Donc, c'est juste pour nous montrer que le langage du Seigneur est parfois pas compris, ne pas compris par des gens et par nous tous, hein, parfois. Et ce pasteur non plus n'avait pas compris son appel, parce que si vous ne comprenez pas le langage du Seigneur, vous allez être dans une fonction qui n'est pas la vôtre.
C'est ça aussi. Vous allez avoir des échecs. Parce que si vous êtes pasteur alors que le Seigneur ne vous a pas appelé en tant que pasteur, vous allez mourir. Donc, vous voyez que tout ce que nous faisons, toute notre vie, de la naissance à la mort, tout, en fait, le langage du Seigneur est capital, est indispensable à toute notre vie, à tout ce que nous voulons faire, à tous nos projets. Par rapport au mariage, on a besoin d'entendre la voix du Seigneur, sa volonté. Par rapport au travail, même par rapport aux études. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que, étant dès la naissance, dès qu'ils sont nés là, ils sont missionnaires, de la naissance à la mort. Maintenant, ils veulent faire une dissension, une séparation entre leur vie professionnelle, familiale et la vie spirituelle. Alors que il faut que les trois, la vie familiale, professionnelle et spirituelle, les trois doivent aller ensemble. Et au-dessus doit y avoir la vie spirituelle qui domine tout, la spiritualité. Parce que, je prends un exemple, le Seigneur t'envoie sur terre pour son œuvre. Et toi, tu viens, le Seigneur avait prévu que tu sois médecin. En tant que médecin, tu vas être en mission ici et là pour soigner les malades et prier pour eux. Et au travers de ton métier, beaucoup vont se convertir. Ça, c'est le plan du Seigneur. Toi, tu arrives sur terre, tu t'entoures de mauvaises personnes, tu écoutes plus les hommes que le Seigneur. Tu vas te laisser influencer par ton environnement, par les gens qui t'entourent. Et du coup, tu n'écoutes pas le Seigneur et tu fais les études qu'il ne fallait pas. Tu sors de ton chemin. Donc du coup, toute ta vie spirituelle est affectée par tes mauvais choix scolaires, professionnels et familiaux. Vous vous rendez compte? Alors qu'à la base, c'est-à-dire que le Seigneur il t'envoie sur terre, il trace le chemin pour toi. De A à Z, ma sœur, il ne faut pas dormir. Voilà, on la réveille un peu, on va prendre de l'eau. C'est bizarre, à chaque fois que quelqu'un s'endort, le Seigneur me dit, regarde là-bas. Voilà, on va donner un peu d'eau pour... Voilà. Alléluia. Là, c'est un don. Qui s'aperçoit qu'il a fait des mauvais choix? Beaucoup, hein? Voyez? Donc, on ne nous dit pas forcément que notre vie terrestre dépend de la volonté du Seigneur, dépend de la vie spirituelle, ou dépend, je dirais carrément, du langage du Seigneur. Imaginez quelqu'un que le Seigneur a envoyé sur terre pour qu'il soit avocat et la personne se retrouve, n'est-ce pas, plombier. Parce qu'on lui a dit, mais tu sais, en tant que plombier, tu auras beaucoup d'argent, tout ça. Donc son choix est déterminé par l'appât du gain. Le mobile, son mobile, c'est l'argent. Mais ce n'est pas la pensée du Seigneur, la volonté du Seigneur. Fini. C'est pour ça que nous avons des chrétiens qui sont sans fruits. Le langage du Seigneur. Alléluia. On dit bien, hein, au commencement était la parole, on le lit, hein, et la parole était vers l'Élohim, tout ça, le Logos, tout ça, au commencement le Logos. Mais si tu ne comprends pas le Logos du Seigneur pour toi, parce que pour chacun de nous, il y a le Logos. Il y a un logos pour toi, il y a une parole pour toi qui va bâtir ta vie terrestre, de la naissance à la mort. Voilà. Il y a une parole. Dans la seule parole du Seigneur pour toi, il y a le plan du Seigneur pour ta vie terrestre. Il y a le projet du Seigneur, il y a le plan du Seigneur. Chacun, pour chacun de ses enfants, le Seigneur a un plan, un projet. Et beaucoup sortent du projet du Seigneur parce qu'ils font de mauvaises rencontres. Tu fais une mauvaise rencontre, ben cet homme va te parler, va remplir ton cœur ou d'une femme, des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur et ça te sort du chemin
C'est ça l'égarement. Et bien là, c'est fini. Le langage du Seigneur pour toi n'a plus aucun sens, aucun impact. Et donc il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de blessures. On fait du surplace. Le langage du Seigneur. Comment il parle? D'ailleurs, ça, c'est un des livres que le Seigneur m'a donné à écrire, qui doit sortir, qui devait sortir depuis déjà. Là, mais avec la traduction de la Bible, donc on n'a plus trop le temps. Alors, comment le Seigneur parle, justement? Comment il parle? Nous avons, dans les Écritures, plusieurs passages. Prenons 1 Samuel, chapitre 3. Un Shemuel, le prophète. Or, le jeune garçon Shemuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, on apprend ici que en ce temps-là, la parole était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Et c'est notre temps également. La parole véritable est devenue rare. Il y a très peu de visions, très peu de visionnaires véritables selon le Seigneur. Et on nous dit qu'il arriva en ce temps, il arriva en ce temps qu'Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes de l'Élohim ne soient éteintes, Shemuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche d'Élohim. Donc Shemuel, le prophète, dormait dans la présence du Seigneur. Yahweh appela Shemuel et il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et lui dit « Me voici car tu m'as appelé ». Mais il lui dit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et il s'en alla se coucher. Vous vous rendez compte? Le Seigneur appelle son jeune prophète. Pour la première fois, ce jeune homme entend la voix du Seigneur, Shema Israël. Je disais que la voix du Seigneur, le langage du Seigneur est indispensable à notre croissance, à notre salut. Vous vous rappelez d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés? Le Seigneur a dit quoi? Il lui pose la question, ses os pourront-ils revivre? Il dit, tu le sais, toi seul, tu le sais. Toi seul le sais. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais prophétise, c'est-à-dire parle. Dis à ses ossements desséchés, écoutez. Donc, shema, écoutez. Écoutez la parole du Seigneur. Pas la parole des hommes, mais écoutez la parole du Seigneur, d'Adonai, d'Elohim. Vous vous rendez compte? Il fallait que ses os, ses ossements écoutent. Pourtant, il n'y avait pas d'oreille physique. Mais qu'est-ce que la parole nous dit à chaque fois? Le Seigneur dit quoi à chaque fois? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et dans Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, à la fin de chaque lettre adressée aux sept églises d'Apocalypse, à chaque fois, il dit littéralement ceci, que celui qui a l'oreille au singulier pour entendre, qu'il entende. Donc, il est question de l'oreille spirituelle. Ça veut dire que le message est adressé aux sept églises d'Apocalypse, mais les gens qui font partie de ces églises n'avaient pas tous l'oreille spirituelle pour entendre et comprendre le message pour pouvoir obéir au Seigneur. Comme lors d'une réunion, on prêche la parole, mais vous avez des gens qui vont sortir de là et qui vont repartir dans leur vomi, qui vont coucher ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés, qui vont sortir la nuit en tant que sorciers, qui vont repartir dans tout ce qu'ils ont vomi, tout ça, parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, ils n'ont pas l'oreille, ils ne changeront pas. C'est comme ça, c'est ce que la parole nous dit. Donc seuls les enfants d'Élohim ont l'oreille. Le Seigneur dit quoi dans Matthieu 13, il dit, enfin il parle à la foule en parabole, et à la maison les apôtres lui disent, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, mais parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Waouh! Parce qu'ils sont de l'autre côté. Parce qu'ils n'ont pas d'oreille. Des gens entendent parler de ce message que le Seigneur a donné dans cette génération. Le retour à la parole, la sanctification, la sainteté, parce que le Seigneur revient. Tout ça, le Seigneur dénonce le système babylonien, tout ça bien comme il faut. Mais combien de gens obéissent, mes amis, à cette parole-là? Combien? Très peu. Les gens, ils repartent dans leur vomi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'oreille. Ils savent que c'est la vérité, mais ils retournent dans leur vomi parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. À ces gens-là, le langage du Seigneur ne leur dit rien.
Or, pour chaque génération, vous devez le savoir, pour chaque individu a intérêt à avoir la compréhension, à comprendre le message du Seigneur pour sa vie, pour son futur, pour sa mission terrestre, pourquoi il est là. Donc, chacun doit avoir le réma du Seigneur. Le réma du Seigneur. Vous voyez, là, il y a le logos, d'accord, discours, tout ça, il y a raison. Il y a aussi le réma, la parole qui est dite, la parole qui est dite à propos de la parole du moment. Vous voyez? Et ça, c'est important de le souligner. Et le grec fait vraiment la distinction entre le logos et le réma. Et donc, il y a aussi, donc, non seulement qu'il y a le réma pour ta vie personnelle, de ta naissance jusqu'à ta mort, il y a aussi le réma pour cette génération. Quel est le message d'Élohim pour cette génération perverse et corrompue? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Quel est donc le serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et hélas, Shemuel, le prophète, entend de manière audible la voix du Seigneur. Mais bizarrement, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir le prophète ou le prêtre Élie. Et il lui dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Alors je me suis souvent posé la question, mais pourquoi le Seigneur est allé? Mais pourquoi il est parti le voir? Mais parce que quand le Seigneur parlait, effectivement, il utilisait la voix, certainement, hein, la voix du prêtre Élie. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous parle souvent en songe, il va prendre les images de ses enfants. « Oh, je t'ai vu en songe, ma sœur, et tu es venue me parler, tout ça. » Non, c'était pas moi, je dormais chez moi, c'était le Seigneur. Voilà. Donc, il ne faut pas être idolâtre pour chercher maintenant à me voir constamment comme si c'est moi qui veux vous visiter. Quand je ronfle là-bas, mon esprit il ronfle aussi. Hein. Ou je veux dire, mon esprit est dans le Seigneur. Alléluia, comme ton esprit. Vous comprenez les choses maintenant? Voilà. Et ça, on rigole un peu parce qu'on dit « c'est vrai, ça, c'est pas mal ça. Le Seigneur a raison. » Parce que c'est bizarre, hein. Non, mais j'étais malade, ma sœur, et j'ai eu un songe la nuit où je t'ai vu, tu es venu prier pour moi. Ouais, la sœur était en train de ronfler, hein. Mais c'est le Seigneur. Et c'est exactement ce que le prophète a vécu ici, le jeune prophète. Parce que, écoutez, si par exemple, si je prends un exemple, si David, par exemple, entend une voix, et qui vient me voir pour me dire, je crois que tu m'as appelé, c'est qu'il reconnaît que cette voix était la mienne, on est d'accord. Parce que ce n'était pas ma voix, comme il connaît ma voix, il ne viendrait pas me voir. Donc vous voyez bien que le prophète ici, le jeune Samuel, connaissait la voix d'Élie parce qu'Élie l'a élevé comme un père. Donc là, le Seigneur l'appelle, il utilise la voix du prophète, du prêtre. Et qu'est-ce que le jeune prophète fait? Ben, tu m'as appelé. Non, tu as entendu la voix, mais tu n'as pas compris. Et heureusement que le prêtre avait le discernement. Et il lui dit, va te coucher, ce n'est pas moi. Là, il manquait de discernement pour l'instant. Il dit, va te coucher. Il se dit certainement, bon, peut-être c'est un rêve comme ça. Il a trop entendu ma voix dans la journée, je ne sais pas. Ok, le petit, il repart se coucher. Et là, on nous dit, le verset 6, Yahweh appela encore Shemuel, et Shemuel se leva et s'en alla vers Élie, et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Retourne et couche-toi. Deuxième fois. Le prêtre n'a pas eu le discernement. Ni lui, ni le petit. Attendez, qu'est-ce qui empêchait le Seigneur de dire à Shemuel, parce qu'il est tout puissant, c'est moi Yahweh qui ai créé le ciel et la terre qui t'appelle. Vous comprenez? Il y a tout un enseignement à voir ici. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de ça? Premièrement, le Seigneur voulait que le prêtre sache que cet enfant était appelé par lui. Vous comprenez? Voilà, parce qu'il a su automatiquement, il a été réveillé. Parce que s'il lui dit « retourne te coucher », c'est que lui-même il dormait. Le gars, il dort, il est fatigué, il était vieux. Toi, tu viens, tu le réveilles à minuit. Ah, tu m'as appelé. Attends, mais il est minuit, je vais t'appeler pour faire quoi? On ne travaille pas la nuit. Le Seigneur ne lâche pas l'affaire. Quand le Seigneur décide de t'appeler, de te parler, il va te parler.
Et Élie dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Donc c'était vraiment son fils, vous voyez bien qu'il connaissait la voix de son père. Hein. Voilà. Or, Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Et Yahweh appela encore Shemuel pour la troisième fois. Et Shemuel se leva et, pas comme d'habitude, s'en alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et là, le monsieur a eu le discernement. Élie reconnut que Yahweh appelait ce jeune garçon. Alors, il donne quelques tuyaux. Il donne un petit tuyau, là, tu vois. Bon, voilà, viens un petit, je vais donner quelques... Parce que nous, on est passé par là, donc il y a l'expérience. Il faut des hommes et des femmes d'expérience. Il ne faut pas côtoyer n'importe qui. Si tu côtoies n'importe qui, il va te dire, non, mais la voix que tu entends, c'est un démon. Allez, dis au nom de Yeshua, sors de... Parce que tout le monde voit des démons partout. Il y a des démons, il y a des gens qui voient des démons partout, là. Tu entends, alors fais attention, il y a même des gens qui ont reçu la parole du Seigneur, qui ont reçu des visions que le Seigneur a visitées, on les a enfermés, internés. Je vous dis, il y a un frère là, tout dans la foi, là. Un frère, oui, qui me disait comment on l'a interné à cause de ça. Oui. Les gens n'ont pas compris, le Seigneur l'a appelé. Manque d'expérience. Et là, alors il lui dit, il donne un bon conseil, il lui dit, bah, écoute, et on dit que le prophète ne connaissait pas la voix du Seigneur. Il ne connaissait pas la voix du Seigneur. La parole ne lui avait pas encore été révélée. Alors Élie dit à Shemuel, va et couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle Yahweh, car ton serviteur écoute. Shemuel donc s'en alla et se coucha à sa place. On dit, il se coucha où? Il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Ils veulent prendre la place des autres. Et ils veulent entendre la voix du Seigneur. Tu ne veux pas entendre la voix du Seigneur là où il t'a pas. Si tu n'as pas placé là, tu ne veux pas entendre sa voix. Je ne parle pas d'un bâtiment d'église. Je ne te dis pas qu'il faut que tu sois dans une église locale. Il y en a, ils veulent enfermer les gens dans les églises. Non, ce n'est pas ça. Il faut que tu sois là où le Seigneur là où il te veut. Il te veut où? Dans sa présence. Là, comme Myriam, à ses pieds. Et vous avez bien vu, hein, il a dit quoi? Dis Yahweh, ton serviteur, écoute. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune homme n'écoutait pas. Il entendait la voix, il courait vers l'homme. C'est ça notre problème. Au lieu de demeurer dans cette présence et de rester, d'attendre, lui, il courait. Il y a des gens qui ne font que courir, ils quittent leur place. Ils sont dans toutes les églises. Vous cherchez quoi comme église? Il n'y a pas un verset qui dit qu'il faut chercher les églises. Cherchez le royaume du Seigneur. Voilà. Ah non, mais j'ai fêté l'église, je suis déçu. J'ai fêté le pasteur, je suis déçu. J'étais sur tel site internet, oh, j'ai rien reçu. Donc vous cherchez la révélation sur les sites. Mais vous n'avez rien compris. Hein. Moi, combien de gens me disent, ah, t'as regardé cette vidéo? Non, mais écoutez, s'il vous plaît, hein, arrêtez de m'embêter avec vos vidéos. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Parlez-moi de la parole. T'as regardé tel prédicateur? Non. Parlez-moi de la parole, d'abord. Voilà. Arrêtez un peu avec les machins. Il faut absolument que tu une sœur veut me voir. Attends, regardez, le témoin de telle sœur. Tout ça, je dis non, je connais pas. Ah non, mais il faut que tu regardes. Non, attends. Et la première a dit non, c'est un sorcier. Il faut arrêter. Les gens ne veulent pas être à leur place. Nous sommes dans une génération où, excusez-moi, c'est comme si les gens ont le feu derrière. Ils ne peuvent pas s'asseoir devant le Seigneur. Ils sont partout et nulle part. Donc le langage du Seigneur pour eux, ils peuvent pas le comprendre. Myriam était assise au pied du Seigneur, au pied du Maître, dans l'adoration, dans la relation. Trop d'agitation. Nous sommes allés en Suisse, un jeune homme est venu me voir. Il dit, j'ai fait le monde entier, j'étais ici pour ma délivrance, rien. Je suis parti à tel endroit, rien. Je lui dis, c'est normal, tu cours partout. Tu cours partout alors que le Seigneur est chez toi. Voilà le problème. Tu sors de chez toi, tu fermes ta porte à clé, le Seigneur reste à l'intérieur. Il prend l'avion, il va en Suède, il va ici, il va partout, il va chercher la délivrance. Il dit, personne ne m'a délivré. Je dis, c'est normal. C'est normal. Tu laisses le Seigneur derrière toi. Tu n'es pas à ta place. Le langage du Seigneur, tu ne l'as pas compris. Invoque-moi et je te répondrai, le Seigneur a dit. On lui a donné de l'huile, toutes sortes de choses, rien.
toujours, toutes les nuits, la sirène des eaux venait coucher avec lui. Toutes les nuits. Il se dit, on m'a marié à la sirène des eaux, j'ai été initié à la sorcellerie, j'en peux plus. Je dis, c'est normal. T'as trop couru. Il a dépensé beaucoup d'argent, comme beaucoup. Le langage du Seigneur. Waouh! Alors, écoutez le langage du Seigneur, hein, on va comprendre des choses. Le jeune homme, on lui dit maintenant, reste à ta place. Et si tu entends sa voix, dis Yahweh, parle. Ton serviteur écoute. Le serviteur, c'est l'esclave. C'est-à-dire, quand il dit ton serviteur, c'est ton esclave va obéir. C'est ça qu'il faut comprendre. Parle et je vais obéir. Parce que écouter, c'est obéir. Voilà. Et là, maintenant, il a compris que c'était le Seigneur qui lui parlait. Le langage du Seigneur. Vous vous rendez compte? Le Seigneur lui parle, il croit que c'était l'homme qui lui parlait. C'est ce qui se passe souvent. On ne comprend pas le Seigneur quand il nous parle. Il te parle, toi, tu crois que c'est toi-même. Qui a déjà connu ça? Oh, je crois que là, c'est moi-même, ce sont mes pensées. Hein. Oh, mais là, je ne suis pas convaincu, moi. Et tu perds du temps comme ça, le doute. Moi, la foi, je la définis comme la folie. Celui qui n'est pas prêt, qui n'est pas prêt, capable de faire, de, qui n'est pas fou, il ne peut pas servir le Seigneur. Regarde la maman aigle, pour la première fois, quand les aiglons volent pour la première fois, qu'est-ce que la maman aigle fait? Du haut du rocher là-bas, là, elle attrape l'aiglon, hein, le premier là. Vous avez vu dans son bec l'aiglon là? Maman, maman, calme-toi chérie. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas faire un petit vol aujourd'hui. Mais maman, 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 je vais m'écraser. Non, il y a du vent. Mais je ne vois pas le vent. Si, si, le vent est là. Crois seulement. Non, 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 non. Et les autres aiglons qui sont là, qui regardent la scène, qui se disent, oh, maman est vraiment dangereuse là. Là, sauf qui peut, là. Mais tu vas aller où? Parce que tu es sur le toit du monde là-bas, là. Tac, elle lâche l'aiglon. Ouh, chute libre. Et naturellement, tu as, voyez, l'instinct de survie. Tac, les ailes qui se déploient. Et tac, il s'aperçoit qu'il y a une portance. Mais je suis porté par quoi, là? Le vent. Voilà. La foi. C'est quand tu comprends le langage du Seigneur, là, tu te jettes dans l'eau. Tu ne vois rien, mais tu te jettes. C'est ça le Seigneur. Il te dit, jette-toi. Le Seigneur, je ne vois rien. Ben, qui t'a dit qu'il faut que tu vois? Vous ne marchez pas par la vue, mais par la foi. Jette-toi. Je vous ai dit la dernière fois, il y a un couple qui est venu, un jeune couple. Je vois la sœur me dit, tu vois un bébé là dans le ventre? Je veux un bébé, positionné comme ça. Je lui dis, mais il y a un bébé qui est dans le ventre là. La sœur a dit, l'onction l'a saisie. Elle est allée faire les examens le lendemain. Elle revient me voir 2 jours après. Elle dit, l'enfant est là. Je dis, oui, j'avais vu. Un an, j'ai venu déposer l'enfant. La foi. Le langage du Seigneur. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens ne vivent pas le miracle? Quand je vois des chrétiens, nous, on est passé par là. Il y a un handicapé qui vient, physique, tu pries. Lève-toi, essaie de marcher. On est en direct, hein, t'as honte parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis là, tu transpires. Oh là là, oh là, tout le monde regarde. Et tu lis sur les visages, hein, les gens, ils sont là. Oh, Seigneur, aide-le. Oh, Seigneur, s'il te plaît, on est mal barré ici. On est regardé par des religieux dans le monde entier. Seigneur, s'il te plaît, agis, agis, agis. Allez, essaye. Bon, ça va se faire dans 2 mois. Va t'asseoir là. Après, on dit il n'a pas assez de foi. Non, c'est toi qui n'as pas compris le langage du Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas dit, prie pour la personne. C'est ça? Non, mais c'est écrit qu'on va faire des miracles plus que lui. Oui, c'est écrit. Mais ça, c'est le logos, mais il y a le réma. La parole du moment. Voilà. Parce que le Seigneur a aussi arrêté des jours où il intervient pour les gens. Si ce n'est pas le jour de la personne, t'as beau prier, crier, rien, même si tu as l'onction. C'est l'obéissance qui compte. Voilà. Nous sommes allés en mission à Nantes. Une sœur
handicapée est venue, elle est sortie de l'hôpital quand elle a su qu'il y avait un programme. Sur chaise roulante. Hein. Elle était en bonne santé, tout ça. Elle est tombée malade et puis les jambes ne fonctionnaient plus. Ma sœur, sommeil, attention. À chaque fois qu'il y a le sommeil quelque part, le sommeil dit, regarde, il est magnifique. Et elle vient comme ça avec sa chaise roulante, tout ça, elle est assise, elle dit, moi, je vais être guérie aujourd'hui. Il y avait d'autres handicapés. Hein. On prie, on loue le Seigneur me dit, c'est son jour, va prier. Ok. Je descends, je vais prier pour ses jambes. Les jambes étaient toutes molles, fatiguées, oula, c'est chaud. Là, c'était en direct, en plus, je dis, c'est chaud. La prière, on touche les jambes, tout ça, on tire, tout ça, tac, 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 allez, lève-toi, tac, oh, c'est bon, ça s'est refermé. Et elle a commencé à marcher. Jusqu'aujourd'hui, elle marche. Je vous assure, réglé. C'est le réma, le langage. Parfois, quand tu pries, les gens te regardent, ils disent, est-ce que vraiment... Mais toi, tu as reçu, tu as compris le message du temps, le langage du Seigneur, c'est là, là, il faut y aller. Et puis, parfois, le Seigneur te dit... Quand tu comprends son langage, hein, il te dit, bon, voilà, la personne est handicapée, mais tu vas juste frapper deux fois. Comme quand il a dit à Moshe de frapper deux fois une fois le rocher. Il l'a fait deux fois. Il n'est pas rentré à Canaan. Hein. Ah ben oui. Le langage du Seigneur. Pas, on ne comprend pas, mais pourquoi il frappe? Le Seigneur dit, frappe comme ça. Arrête-toi. Laisse. Et là, après, la personne se lève comme ça, naturellement. Le langage du Seigneur. Voyez, le prophète, le Seigneur l'appelle, il va voir Élie, hey, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il ne lui a pas dit retourne et prie, parce que lui-même ne comprenait pas. C'est à la troisième fois qu'il lui dit, ah non, retourne et va prier, parce qu'il lui dit, va parler, va prier. Voilà. Et si Shemuel, le prophète, a marqué sa génération, c'est parce qu'il était à l'écoute du Seigneur. Et à la fin de sa vie, de son ministère, il a posé la question aux Hébreux. Dois-je quelque chose à quelqu'un? Les gens ont dit non, pas du tout, tu as été honnête, intègre. Il a toujours écouté le Seigneur, toujours. Le langage. Et donc ici, on voit le Seigneur qui parle de manière audible. Donc il y a une voix. Comment il parle? Il y a une voix qui peut te parler. Tu entends une voix claire qui te dit non, bouge pas. Tu bouges pas. Voilà. Et on voit comment le Seigneur a parlé à Moshe avec, sur le buisson ardent. Il lui parlait, la voix qui sortait de nulle part. Tac. Et beaucoup entendent cette voix-là au fond d'eux. Et il parle aussi, bien sûr, en songe, en vision. On a des exemples, plusieurs exemples dans la parole. Joseph qui fait en songe, deux songes, où il voyait les étoiles, la lune et le soleil se mettent à genoux, qui se mettent à genoux devant lui. Vous voyez? Regardez comment le Seigneur parle. Très parabolique, très symbolique. Étoiles, la lune, les étoiles, la lune, le soleil, qui se mettent à genoux devant lui. Et regardez comment Jacob, son père, a compris le message. Il l'a interprété tout de suite. Il dit, faudrait-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Il a compris. Mais attendez, pourquoi le Seigneur n'a pas dit directement à Joseph, à Yosef, ton père, ta mère et tes frères vont se mettre à genoux devant toi? Pourquoi il va parler des étoiles, le soleil, la lune? Plein de paraboles, plein de symboles. C'est ça le Seigneur. Voyez? C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, des choses que tu reçois là, c'est pour toi. Si tu en parles tout de suite, c'est des combats sur combats. Joseph en a parlé, non? Ça a amené la jalousie. Hein? Et comme il était naïf, le Seigneur a rattrapé quand même son coup. Il y a des combats que nous avons là, à cause des visions que nous donnons à tout le monde. Tu reçois un songe, c'est pour ton avenir. Il ne faut pas tout de suite en parler à tout le monde. J'ai ça. Tu te crées des ennemis bêtement. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas correct, hein, je vous assure. Lui, il était naïf. Mes frères, venez. Alors, venez, venez. Alors, regardez, j'ai rêvé d'un rêve. Littéralement, j'ai rêvé d'un rêve. Ok, tu as rêvé d'un rêve. Ok. C'était quoi? Vous tous là.
papa et maman, à genoux devant moi. Quoi? Nous? Des gaillards comme ça? Toi, t'es petit. Non, attends, il exagère là. On va tuer ces visions là. Hein? Ah, on l'a nommé le faiseur de songes. Il l'a attrapé. On va le tuer. Non, Seigneur, il est trop fort le Seigneur. Comment il parle? Il le vend, connais l'histoire, non? En Égypte, allez, là-bas. Il avait 17 ans quand il a eu les deux songes là. Même son père n'était pas d'accord. Même son père. 17 ans. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Entre le moment où tu reçois le langage du Seigneur, où tu comprends le message, et le moment où le message doit se réaliser, il y a un temps de formation, de brisement. Oh, ça coûte cher. Pour Yosef, c'était 17 ans de brisement. Ah non, 13 ans. 13 ans. Vous savez, 13, à quoi correspond 13? 13, c'est le nombre de l'amour. 12, le nombre du gouvernement. 13, le nombre de l'amour. Vous comprenez? Voilà pourquoi Yehoshua était le 13e apôtre. 12 apôtres, et lui, il était le 13e. L'amour qui couvre tout. Donc, il fallait que Yosef soit brisé, travaillé pendant 13 ans pour grandir dans l'amour, pour pouvoir pardonner à ses frères. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Le roi Nabucodonosor fait un songe. Il voit un arbre grand, énorme. Et Daniel dit, cet arbre-là, c'est toi. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas dit, c'est toi l'arbre-là? Mais voyez les images, à chaque fois. Waouh! Plein d'images comme ça que le Seigneur utilise. Et d'ailleurs, il nous parle, à part la parole, hein, qui est le langage le plus parfait. Il nous parle souvent en songe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est trop agité. Nous sommes des esprits qui habitons un corps qui est souvent dominé par l'âme, les émotions, les sentiments. Ah, parce que j'aime telle personne, alors je ne veux pas trop parler, je ne veux pas trop les sentiments. Ah ben, je préfère... Il y a des gens qui préfèrent pécher plutôt que d'obéir au Seigneur. Ils préfèrent plutôt satisfaire les hommes, hein, plaire aux hommes plutôt que de plaire au Seigneur. Donc, les sentiments. Donc du coup, le Seigneur attend quand nous sommes en repos, quand notre âme n'a plus d'activité, quand notre corps n'a plus d'activité. C'est là que l'esprit est, n'est-ce pas, prêt, prompt à recevoir. Et c'est là, souvent, qu'il vient nous parler, la nuit ou le jour. Ça peut m'arriver, grâce au Seigneur, d'avoir en une nuit au moins 10 songes. Parfois, je peux compter comme ça, 12. Tu te réveilles, tu les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waouh, Seigneur, mais c'est terrible. Et puis après, tu pries pour ça, et puis tu vois, il y a des choses qui se réalisent. Il y en a même qui ont plus de songes que moi. Je me rappelle, je connais quelqu'un, ben c'est, quand la personne pose sa tête, oh là là. Vous voyez? Plein de songes, des visions. Et c'est là qu'il vient nous parler. Il nous donne des révélations, des images, tout ça. Et on se réveille, on prie. Il y en a qui vont les écrire, tout ça. Maintenant, comment comprendre ces songes-là, toutes ces images qu'il nous donne, tout ça, et il nous parle souvent comme ça. Et si tu n'as pas l'interprétation, bah, tu peux faire du surplace. Tu peux négliger. Combien de fois le Seigneur m'a montré à l'époque hein, des songes sur les uns les autres par rapport à la sorcellerie, tu te réveilles, oh, c'est le diable qui m'a parlé. Et pourtant, la personne était sorcière. Tu as été averti. Ah, je vous assure. À part la parole, il nous parle aussi de manière audible. Il y a aussi les songes, les visions. D'ailleurs, Job 33 le dit, hein, c'est un passage que nous connaissons tous. Job 33. Regardez, et au verset 14. Elle, donc elle, Elohim, elle, le singulier, elle parle en effet une fois et deux fois, mais l'on n'y prend pas garde. Et ça, c'est terrible. Donc Job nous dit que
Elohim parle une fois, deux fois, mais on ne prend pas garde. Vous savez pourquoi il parle deux fois? Ça, on l'a déjà compris, hein. Parce que, on entend avec l'oreille gauche ou l'oreille droite et l'on comprend avec l'autre oreille. C'est pour ça qu'il parle à chaque fois deux fois. Joseph dit à Pharaon, parce que Pharaon a eu deux songes, en fait, qui annonçaient cette année d'abondance et cette année, cette autre année de famine. Et Pharaon, Joseph dira, si le roi a vu la chose se répéter une deuxième fois, c'est que cela est arrêté par le Seigneur. Voyez ? Et vous allez constater que de Genèse à Apocalypse, le Seigneur parle souvent deux fois, a parlé à chaque fois deux fois de suite. D'ailleurs, le Seigneur, quand il est venu, il disait souvent, en vérité, ou Amen, Amen. Pourquoi ? Amen, Amen. Toujours. Donc on a deux grandes alliances, on a deux Yerushalem, on a deux Adam, on a deux tabernacles, tout ça. Nous avons deux yeux, deux oreilles, deux narines, on a deux poumons. Ouais, à chaque fois, nous avons une paire de choses. Deux mains, deux bras, deux jambes, c'est l'équilibre. Voilà comment le Seigneur a fait les choses. L'équilibre. La nuit, le jour, voilà, le bien, le mal, le lion, l'agneau, l'eau, le feu, à chaque fois. Il parle souvent comme ça. Il a parlé une première fois avec l'alliance mosaïque. Il est revenu parler une deuxième fois avec la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Job dit, il parle une première fois et une deuxième fois. Mais on n'y prend pas garde. Non, on ne prend pas garde. Combien de fois tu as eu des songes qui sont répétés? Mais c'est le Seigneur qui t'a parlé. Et souvent, on néglige, on ne prend pas garde parce qu'on dit, on néglige. Et à la force de négliger les choses que tu reçois quand tu dors, là, alors que ces choses-là se répètent plusieurs fois, tu peux mourir avant le temps du Seigneur. Ben oui. Maintenant, quand je reçois un message deux fois de suite, là, je prie, Seigneur, c'est vraiment ça, là, donc, on fait attention. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur continue? Qu'est-ce qu'il dit encore dans Job 33, là? Regardez. Job dit, il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Alors, il ouvre l'oreille aux hommes. Ça, c'est magnifique, hein, littéralement, hein, c'est ça. Hein. Il ouvre l'oreille aux hommes. Waouh. Vous voyez? Alors, il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur châtiment afin de détourner l'être humain de ses actions et de couvrir l'orgueil loin de l'homme fort. De couvrir l'orgueil. Allez, on couvre ça, on cache ça pour pas que l'orgueil te tue. Ainsi, il garantit son âme de la fosse et sa vie de l'épée. L'homme est aussi châtié par des douleurs sur son lit, par l'agitation perpétuelle de ses os. Voyez, voilà comment le Seigneur parle, les songes, les visions. Et regardez Paul, dans Actes 16. Paul a voulu aller dans l'Asie, en Asie mineure, en Turquie pour annoncer la parole. L'Esprit lui dit non. Il voulait aller en Bithynie. L'Esprit lui dit non, tu n'y vas pas. À deux reprises, il a tâtonné. Paul aussi a tâtonné. À un moment donné, l'apôtre Paul ne connaissait pas la volonté du Seigneur pour lui, pour ce moment précis. Donc ça peut arriver à n'importe quel chrétien de tâtonner dans sa marche chrétienne, de tâtonner par rapport aux études, de tâtonner par rapport au choix du conjoint, de la conjointe, par rapport au mariage. Ça peut arriver, nous sommes des humains. On est humains. Nos cœurs sont tellement mélangés de choses, il y a tellement des blessures au niveau de l'âme, tout ça, des émotions, des sentiments. Parfois, on ne sait pas quel chemin prendre, quelle décision prendre. On tâtonne. On croit que c'est la bonne décision. En fait, on s'aperçoit au bout de quelques temps, ce n'était pas ça. Pourtant, tu avais été tout feu, tout flamme. Voyez? Et là, on a besoin du discernement, justement, pour décoder le langage du Seigneur, le discernement des esprits. Comment Elohim parle? Des songes. La parole qu'il faut lire toujours. La parole, c'est clair.
Si tu veux décoder le langage du Seigneur, son langage est d'abord révélé, comme vous le savez, dans cette parole. Donc, il faut que tu sois un lecteur de la Bible. Et ensuite, si tu es en communion avec l'Esprit, dans la prière, si tu le crains, eh bien, le Seigneur va te parler. Il va te parler comment ? Ben, déjà par la parole. Deuxièmement, par la vie, des visions, des songes. Et aussi par des convictions, parfois par une voix qui te parle, ou par des convictions, des pensées, une pensée qui prend de l'ampleur, une pensée qui ne te quitte plus, comme une conviction qui est là. Ben, c'est le Seigneur. Il parle par des paroles de connaissance. Alors, c'est quoi une parole de connaissance ? Parole de connaissance. Le Seigneur te donne à voir la connaissance de ce qui se passe, sur ce que les gens ont comme problème. Ils te révèlent leurs problèmes. Par exemple, la parole de connaissance, ça peut se manifester sous la forme d'une... Je prends un exemple simple. Et tu es là, vous êtes dans l'assemblée, vous priez, vous partagez avec des frères et sœurs, ou pas forcément la prière, mais vous vous retrouvez avec des frères et sœurs, et tu ressens une douleur au niveau, par exemple, juste au niveau du genou gauche ou droit, ou de la tête, au niveau des épaules. Parfois, ce n'est pas une douleur qui parfois c'est une douleur que ressent quelqu'un dans l'assemblée, et toi le Seigneur te donne à la ressentir, et ça c'est une parole de connaissance. Qui ne le savait pas? Mais voilà, ben vous apprenez des choses, et parfois la parole de connaissance se manifeste comme ça. Voyez, tu ressens une forte douleur quelque part. Là, c'est bizarre, ça, la douleur, d'où elle vient? Elle vient comme ça, dans ce coup. Mais j'ai une douleur ici, est-ce que quelqu'un souffre comme... Oui, c'est moi, justement, ça fait des années que je... Ah, ben, on va prier, et puis tac, c'est fini. Je ne dis pas que tout ce que tu ressens, c'est forcément la parole de connaissance. Hein. Il faut l'équilibre, sinon, il faut aussi mettre de l'équilibre, parce qu'on, mais là, on se connaît. Hein. Toujours mettre l'équilibre, parce qu'ici, là, c'est chou. Là. Il y a parfois des gens bizarres. Hein. Moi, je ne vais pas te repris par le Seigneur, hein, l'idolâtrie, c'est bon, quoi. Ça me fait peur, hein. C'est bon, on a compris. Amen. Voilà, une autre parole de connaissance. Ça, je crois que tout le monde a déjà vécu ça. Toujours qui se manifeste sur le plan physique, hein. Parce que la parole de connaissance peut se manifester de manière physique, telle une douleur, tout ça, hein, voilà. Mais aussi, toujours sur le plan physique, hein, elle peut aussi se manifester sous la forme. Vous voulez que je parle de ça? Qui a déjà, à l'approche d'une... Si t'es une femme, en t'approchant d'un homme, ou si t'es un homme, en t'approchant d'une femme, tu sens que ton corps commence tu sens bizarre dans ton corps. Voilà. Il y en a qui peuvent commencer à avoir des sensations bizarres au niveau de leur partie. Enfin bref, vous comprenez un peu le message là? Vous comprenez un peu? Vous êtes un adulte, hein? Voilà, on va pas faire le dessin ici. Ben ça, quand vous ressentez ça, en général, je prends un exemple. Tu es un homme, tu t'approches d'une femme, tu sens que ton corps réagit, alors que tu ne penses même pas ça. Ben, tu as affaire, en fait, à la sirène des eaux. C'est une, soit parole de connaissance, ou soit discernement des esprits. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Si tu ressens ça, eh ben, tu as affaire à la reine des eaux. Qui a appris quelque chose aujourd'hui? Voilà comment ça se manifeste. Vous comprenez? Voilà. Soit la personne que vous approchez à la sirène des eaux, homme ou femme, soit la personne craint le Seigneur, c'est vrai, mais la sirène des eaux tourne autour de vous deux pour vous faire tomber tous les deux. Voilà. C'est ça le discernement. Et ça manque souvent des chrétiens. Ils ressentent ça, mais ils ne comprennent pas que le Seigneur leur donne le discernement. C'est comme une antenne que tu as, qui te dit attention, alerte, attention, attention. Maintenant, au lieu de fuir, de discerner, de comprendre le langage du Seigneur, les gens disent non, on va combattre, ça va aller. Ah ben, tu vas finir ailleurs. Hein. Oh Seigneur. Qui ne voyait pas les choses comme ça? C'est ça le discernement des esprits sur le plan physique. Voilà. Regardez, ça ne vous est jamais arrivé quand vous approchez quelqu'un, vous rentrez quelque part ou dans une maison, vous sentez les cheveux de vos poils s'hérisser, tout ça. Qui a déjà vécu ça? Mais à votre avis, c'est quoi? Nous avons des antennes physiques? Ben oui! Ça s'appelle le discernement des esprits. Voilà.
Comment? Ah ben oui, c'est le discernement des esprits. Nous avons des antennes. Voilà. Discernement des esprits. Autre chose. Comment le Seigneur parle? C'est le message, non? Comment le Seigneur parle? Parce que beaucoup pensent qu'il faut absolument qu'ils entendent une voix. Moi, Adonai, qui habite au ciel, assis sur mon trône, je suis tout puissant. Je viens te parler, c'est moi qui te parle. Non, mais. Nous avons des antennes. Le discernement des esprits. Vous comprenez? Tu t'approches de quelqu'un, tu sens ton esprit s'irriter. Comme Paul dans Actes 17, quand il s'est retrouvé à Athènes, son esprit était irrité à la vue de cette ville pleine d'idolâtrie, d'idoles, tout ça là. Ben, tu t'approches, pourtant, la personne ne t'a rien fait, hein, mais tu es irrité. La personne parle, mais t'as une forme de colère, tout ça là. Quand c'est comme ça, soit la personne est dans la sorcellerie. Bah oui. Soit elle est dans le péché, elle est hypocrite, et le Seigneur est en train de te montrer son état d'âme. Bah oui. Soit c'est toi qui es possédé et que l'autre a la présence du Seigneur. On acclame le Seigneur. Bah oui. Parce qu'on a déjà vu des gens nous approcher et nous insulter. Alors qu'on n'a rien fait. Toi, oula, je dis, qu'est-ce qui se passe? La personne t'insulte, tout ça, là. Et puis là, tu dis ça, non, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit en elle. Sors, nous dit Yeshua. C'est fini. C'est ça. Donc, si tu crains le Seigneur et que tu t'approches d'une personne, que la personne t'irrite, ne cherche pas, ne force pas la relation. Le Seigneur, ton esprit, le Seigneur parle à ton esprit et ton esprit discerne. Parce que l'esprit, ton esprit a reçu le don de discernement des esprits. Comment le Seigneur parle? Il parle par la prophétie aussi. Il parle par le discernement des esprits, selon 1 Corinthiens 14 là-bas. Par la parole de connaissance. Tout ça. Par des visions songes, comme vous le savez. Bien sûr, parce que moi, je me rappelle quand on était convertis à l'époque, on priait parfois, les oiseaux chantaient, on avait l'interprétation de chants. Au fond de moi, j'ai un truc qui m'a dit, il m'a répondu ton âme. Et à ce moment-là, j'ai répondu mon âme appartient au Seigneur. Tu as vu le corbeau qui réclamait ton âme, tout simplement. C'est un esprit de mort qui est venu réclamer ton âme. Amen. Bien sûr, beaucoup de chrétiens manquent de discernement parce qu'on est trop distrait, on est trop happé par le monde, on est trop occupé par nos pensées, sont occupés par autre chose. Donc du coup, on ne discerne pas. Et moi, quand j'entends des chrétiens dire « Moi, le Seigneur ne me parle pas », je dis « Mais attendez, tu crains le Seigneur ?»« Oui, mon frère, je crains le Seigneur. » Mais il te parle, sauf que tu ne discernes pas. Sur le plan physique, par exemple, comme je vous ai dit, tu t'approches d'une femme, tu sens que ton corps commence à réagir. Ça, c'est le Seigneur qui te parle. Voilà. Il t'avertit. Il utilise ton corps pour te dire la personne en face de toi est dangereuse. Voilà. C'est le discernement des esprits. Tu t'approches de la personne, ton âme s'irrite, ton esprit s'irrite. Le Seigneur te parle. Tu dors la nuit, tu fais un songe où tu vois une personne nue. Ben, une première fois, tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, Satan a pris peut-être son image, ok. Mais le songe, je le répète encore une deuxième fois, une troisième fois. Le Seigneur te montre la nullité, souvent, c'est soit c'est le péché d'impunité, soit c'est la sorcellerie. Parce que les sorciers, quand ils font des incantations, ils sont nus. Ben oui. Maintenant, nous, on ne fait pas attention, mais pourtant, tu as bien vu. Et le lendemain, tu revois la personne. Oh, mon frère, ma sœur, qui t'a dit ça? Mais on t'a parlé déjà. Tu vas dans une assemblée.
Tu vois, le pasteur et sa femme sont sur des trônes bizarres et les âmes sont sous, à leurs pieds. Mais le Seigneur t'a montré l'état spirituel de l'Église. Il t'a montré. Nous, on est tellement charnels, nous les humains, là, que on se dit, non, mais c'est pas possible. Regarde, le pasteur, il est beau, il est bien sapé, il est bien habillé, tout ça. Mais le Seigneur, ça, c'est comme les tombeaux blanchis. Ça paraît beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a plein d'ossements desséchés. Le Seigneur t'a montré son état spirituel. C'est tant sataniste. Qu'est-ce que tu vas faire encore là-dedans? Job dit la nuit, le Seigneur ouvre notre oreille. Regardez maintenant, regardez ce qui se passe. Ah non, mais oui, mais c'est ma mère. Oui, mais c'est une sorcière. Elle t'a montré deux, trois fois. La nuit, elle vient t'étouffer. Ah, oh, non, je vois pas. On dit, bon, c'est une première fois, on peut dire, bon, c'est pas elle. Le lendemain, rebelote, elle revient encore. T'as vu? C'est elle. Maintenant, si tu fais pas attention, tu continues à manger la nourriture qu'elle te fait, ben, tu vas mourir. Parce que si tu n'étais pas au courant, ok, le Seigneur te protège. Mais maintenant que tu sais, tu as reçu le message. Si tu fais encore, n'est-ce pas, tu fermes tes yeux par rapport à ce que tu as reçu, ben, tu vas mourir. Oui. Si ta mère, tu pries et tu manges plus. Tu manges autrement, tu t'organises. Si le Seigneur t'a montré qu'elle est dedans et tu veux faire quoi? Et tu vas manger quand même, ça c'est ton problème. Voilà. Oui. On va te passer le micro. Tu mets le masque, s'il te plaît, avec le micro. Merci. Moi, j'ai reçu plusieurs visions, mais je ne faisais pas attention, je n'écoutais pas les seigneurs. Que ma propre fille était en sorcière. Et une fois, c'était en juin 2018, j'étais ici, je suis venue participer, c'était une réunion de réveil. Et en rentrant chez moi, ma fille, elle a couru, elle est venue me demander où j'étais. Et depuis ces jours-là, je suis incompris. Donc, tout le monde me fuit. Et j'ai vu ma propre sœur dans une vision, deux fois, elle voulait m'empoisonner. Et là, elle a organisé un voyage en Italie, tous les deux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai accepté, je ne sais pas. Je fais quoi? Et tu es partie avec elle? Non. Et tu vas partir? C'est là. C'est bientôt? Et tu veux partir avec? Personne t'a parlé déjà. Hein. C'est à toi de voir. Mais si le Seigneur t'a montré qu'elle est sorcière, pourquoi tu vas partir en voyage avec? Il ne faut pas. Voilà. Ta fille a quel âge? 20 ans, donc. Là, je me suis inscrit avec elle, elle ne veut pas. Ok. Je continue de prier. C'est ce qu'il faut faire. Vous savez, souvent... En fait, on est tellement naïf, on est tellement parfois dans la chair, que quand le Seigneur nous parle, on se dit non, ah non, on néglige, il y a trop de négligence. Voilà. Comment le Seigneur nous parle? Ben, il permet à ceux qu'on voit aussi les comportements des uns et les fruits des uns des autres. Voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais on ferme les yeux, on dit non, mais c'est pas ce que je vois là. Non, non, c'est pas ça. Mais t'as vu pourtant, non, mais je refuse de voir. Oui. Si le Seigneur nous montre que quelqu'un de notre famille est dans la sorcellerie, doit-on couper les ponts avec? Non. À moins que le Seigneur te dise à toi directement, coupe les ponts. Voilà. Mais sinon, si le Seigneur te montre dans une vision où il te parle d'une personne de ta famille qui est dans la sorcellerie, ben, tu dois prier pour la personne, tu dois essayer de l'aider. Si elle refuse, eh ben, là, tu coupes les ponts. Bien sûr. Si elle refuse, ben, là, il n'y a rien à faire. Bien sûr, le Seigneur prend le temps. Mais après, même s'il prend le temps,
Mais à un moment donné, il te montre si la personne accepte la repentance, de se repentir ou pas. Si la personne refuse de changer, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir plusieurs songes pour pouvoir pour obéir à ces songes, tout ça? D'abord, quand on reçoit les songes, il faut faire attention. Il ne faut pas être dirigé par des songes. Parce que Satan aussi donne beaucoup de songes. La chair aussi. Hein, voilà, il ne faut pas oublier. En fait, vous avez trois sources de révélation. Hein, il y a le Seigneur, il y a la chair et le diable, les démons. Donc, c'est pour ça que tous les songes, les visions doivent vraiment être en accord avec la parole. C'est-à-dire, si vous recevez un songe sur une personne comme quoi elle est sorcière, il faudrait aussi regarder à ses fruits, parce qu'on reconnaît en avoir ses fruits. Donc il faut parler avec la personne, il faut côtoyer la personne, il faut essayer de voir comment la personne vit, tout ça. Et en fonction des fruits que la personne porte, on peut maintenant savoir de quel côté elle est. Voilà. Parce qu'on peut accuser faussement les gens. Donc c'est pour ça qu'il faut l'équilibre, il faut la sagesse. Voilà. Il faut toujours regarder aux fruits. Voilà. Mais il ne faut jamais rien minimiser. Oui. Bien sûr, quand le Seigneur nous parle, quand il nous confie une mission, il nous donne forcément les moyens. Et je prends un exemple. Le Seigneur te dit, ma fille, prie pour cet homme ou cette femme qui est malade. Et souvent, on a tendance à regarder à la grandeur de la tâche. Tu vois, non? Quand il a demandé aux enfants d'Israël d'aller, en fait, de prendre le pays de Canaan, par exemple, et Moïse a envoyé 12 espions arriver là-bas, chez les Canaanites, et Canaïens, pardon, ils ont vu les enfants d'Anak, des géants. Il y en a qui devaient faire 3 mètres. Ils se sont dit, oh là 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 là, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Tu vois, non? Et ils ont refusé de prendre ce pays en héritage. Et ils ont été disqualifiés. Donc, et souvent même, tout le temps, de toute façon, le Seigneur nous confie des tâches qui sont au-dessus de nos moyens, au-delà de nos forces. Et il nous donne les moyens pour pouvoir les réaliser. Il te dit de prier pour une personne malade. La personne est condamnée par la médecine. Et le Seigneur te dit, prie pour la personne. Ne t'arrête pas sur son cas. Toi, arrête sur ce que le Seigneur t'a dit. Et en priant une seule fois pour la personne, tu ne vois pas la force que tu as, mais tu l'as, le don de guérison. Et tu pries, le Seigneur va la guérir. Voilà. Et s'il te dit, par exemple, et je prends un exemple. Il m'a dit il y a quelques années qu'on allait acheter le bâtiment d'à côté, cash, comptant. En moins d'un an, on allait avoir l'argent. J'en ai parlé aux frères et sœurs. Waouh, 200 000 balles qu'il fallait avoir, ou 199 000, je ne sais plus combien, en tout cas au moins 200 000 euros. Et les gens se disaient, en un an, et à moins d'un an, le Seigneur avait donné au-delà. Tu vois? Et pareil par rapport au projet d'Eden de Lowat, le projet que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Là. Quand j'en ai parlé aux frères et sœurs, notamment à l'architecte qui s'occupe de ce projet, comme il y a plusieurs sites, il était un peu... Il était motivé, attention. Mais à un moment donné, il y a eu un peu de... Il était un peu perplexe. Et aujourd'hui, on voit comment le Seigneur accomplit son projet. Donc, effectivement, il donne les moyens. Si c'est vraiment lui qui a appelé. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Voilà. Et il ne faut pas non plus avoir peur de faire des erreurs. Des erreurs, on en fait. Celui qui veut servir le Seigneur, je ne dis pas je parle pas de péché, des erreurs. C'est-à-dire, ça peut arriver qu'on se trompe. Mais pas par rapport au mariage, non. Là, il faut vraiment prendre son temps, parce qu'une fois que tu es marié, même si tu te trompes, tu restes dedans. Voilà. On peut se tromper dans pas mal de choses, mais par rapport au mariage, il faut prendre son temps. Vaut mieux se marier tard et mieux que tôt et mal. C'est bien, ils ont tout compris. Parce que j'entends souvent, ah là j'avance, là j'avance. Souvent c'est des gens qui sont autour de nous, hein, qui nous mettent la pression. Hein. Ma soeur, toi te marier quand? Mais là j'avance. Et dans la famille aussi, maman, ma chérie, quand est-ce que tu vas te marier quand même? Là j'avance, hein, tout ça. Moi je veux un petit enfant, des petits-fils, tout ça là. Maman, ça va aller. La pression. Et toi, tu sors dehors et t'as la pression, 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 pression. Et tu arrives à l'assemblée, tu vois des jeunes qui se marient, 22 ans, fiancés, mariage. Oh là 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 là, Seigneur, mais c'est chaud là pour moi là. Et puis le premier qui arrive, le Satan dit, c'est celui-là. Hey, tu t'en... Hey, tac, piège.
Tu n'as pas compris le langage du Seigneur. Enfin bref. Oui, ma soeur. Tu fais un songe, je suis une autorité. Ok, ça arrive, c'est vrai, ça nous arrive de faire des songes où on mange avec des présidents. On se dit, mais comment on va accéder à ces gens-là parce qu'ils sont inaccessibles. Quand c'est comme ça, le Seigneur veut simplement que tu pries pour la personne. Voilà. Voilà. Et souvent, si vous rêvez d'un président qui parle avec vous et qui vous donne des conseils, tout ça, c'est souvent, c'est l'image du Seigneur. C'est l'autorité. Voilà. Voilà, si c'était un songe où tu devais corriger la personne, ça c'est sûr que c'est une mission que Dieu t'a confiée. Quelqu'un qui fait un songe, qui perd ses dents, ça peut arriver. Qui a déjà fait ce songe-là? Eh bien, c'est que tu perds ta force. Il faut faire attention. Il faut prier. Donc vous voyez, là on discerne facilement. Voilà. Tu fais un songe où tu... C'est le langage du Seigneur, il y a plusieurs langages. Hein. Tu fais un songe où tu es toujours à la maternelle. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est moi, pendant 9 mois, j'étais toujours à la maternelle. Ouh là là là, je vous ai raconté ce songe-là m'a traumatisé à un moment. Là. Ah! Même pendant que je réveille, tu sais, je me couchais comme ça, maternelle. Il y a des choses que le Seigneur voulait que j'apprenne, mais je ne comprenais pas. Même moi qui vous parle, c'est pour ça qu'il ne faut pas nous idolâtrer parce qu'on est pareil. Vous voyez? Toujours, je me voyais avec mon sac à dos, j'allais à la maternelle avec des bébés. Oh, je dis, mais c'est pas possible, mais comment vous pouvez être avec moi? Mais c'est pas possible, je suis censé même être votre professeur là. Non, collègue de classe. Et puis là, j'ai pleuré, j'ai dit, non, là, c'est trop, Seigneur, c'est pas possible. Et puis un jour, comme ça, tac, je me suis vu en train de passer mon bac et tout ça, j'ai dit, ah, quand même. Hein? Voilà. Il y en a qui font des songes, se retrouvent alors qu'ils sont à Paris, mais ils se retrouvent toujours aux Antilles, dans la maison familiale. Qui fait souvent ce songe-là? Ben, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous rattachent, qui vous attachent là-bas. Là. Il faut prier pour vous en détacher, ce n'est pas normal. Voilà. Toujours, tu fais des songes où tu es dans la maison familiale, alors que tu es chez toi maintenant, t'es plus... là, ce n'est pas normal, ça. Une fois, ben, on peut, mais tout le temps, ça veut dire que ton esprit, c'est comme si ton esprit restait là-bas. C'est un langage du Seigneur. C'est-à-dire, il faut prier par rapport à la famille que le Seigneur te montre des choses cachées. Quels sont le complot des gens de la famille, des satanistes de la famille? Oui. Quand tu fais des songes, tu rêves des parents qui sont morts. C'est pas normal parce que la parole nous demande de ne pas avoir de relation, d'être en relation avec les morts. Quand c'est comme ça, si vous faites un songe, vous voyez les gens qui sont morts, qui viennent parler avec vous, tout ça, ça veut dire que dans vos familles, les esprits de mort vous réclament. C'est-à-dire dans la famille, il y a des gens qui sont mystiques, qui vous réclament. Donc quand c'est comme ça, ben, vous chassez l'esprit de mort, tout simplement. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas minimiser, négliger les songes. Voilà, vous faites des songes où vous êtes marié, vous vous mariez la nuit, vous avez un mari de nuit, une femme de nuit, tout ça, alors que vous êtes déjà marié ou pas. Ça, c'est pas non plus normal parce qu'on veut vous marier la nuit, mais il faut prendre autorité au nom de Yeshua. Voilà. Je me rappelle d'une sœur qui était souvent violée comme ça par un mari, par un esprit de nuit ou de jour, hein, parfois. Parfois, la journée comme ça, elle était violée. Voilà. Et c'était un langage du Seigneur pour lui dire, écoute, t'es marié. Elle ne pouvait pas se marier. Voilà. Et là, on a prié pour ta délivrance. Le Seigneur, à l'époque, l'avait délivré. Oui. Oui, à part les songes, le Seigneur peut te montrer la sorcellerie de quelqu'un. Il peut t'en parler de manière audible. Bien sûr. Bien sûr. Le langage du Seigneur. Vous savez, le Seigneur, son langage est simple. Mais pour le comprendre, il faut vraiment l'esprit. Vous voyez? Regardez. Le Seigneur dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtis. Regardez en face, comment ils ont compris ça. Ils ont dit, non. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis en 3 jours, tu le ressuscites, littéralement. Mais ça ne va pas, là. Et la parole dit, il parlait du temple de son corps. Vous voyez le langage du Seigneur?
Ah, il n'a pas le même langage que nous. Hein. Il dit, si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Voilà le langage du Seigneur. Maintenant, si tu interprètes ça littéralement, ah ben, ici, là, il y aura beaucoup de manchots, hein, il y aura beaucoup d'handicapés, ça va être terrible parce que on a tous des choses à couper. Hein. Vrai ou faux? Voilà. C'est terrible, cette parole-là. Hmm? Il est beaucoup plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Mais là, on se dit, on regarde l'aiguille de les couturiers, là, tout ça, mais c'est bizarre, mais ce n'est pas cette aiguille-là. L'interprétation. Voilà notre problème. Le langage du Seigneur. Il dit, Jean 13, il va rassembler les apôtres, les disciples, il va laver leurs pieds avec de l'eau, tout ça. Maintenant, il y a des églises qui font ça tout le temps. Les gens n'ont pas compris son message. Voilà le problème, le langage du Seigneur. Il dit, payez la dîme à l'époque de Moshe. Maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, il y a encore des passages qui disent, si tu ne payes pas, tu ne seras pas béni. Le langage du Seigneur. Ils n'ont pas compris le langage du Seigneur. C'est ça notre problème. Pourquoi il y a autant de sectes alors qu'on a tous la même Bible? Pourquoi? Le langage. Une seule Bible, pourtant il y a plus de 15 000 dénominations. Vous vous rendez compte? Une seule Bible. Une seule Bible, mais plusieurs interprétations. Plusieurs interprétations. Voilà notre problème. Waouh! Ça veut dire que quand le Seigneur donne un message, quand il te parle, ce langage-là, si tu ne l'interprètes pas correctement, ça peut te causer des problèmes. C'est une épée. Maintenant, chacun doit savoir comment le Seigneur lui parle. C'était juste pour leur montrer qu'ils devaient se servir, qu'ils devaient être serviteurs les uns des autres. Qu'être serviteur du Seigneur, c'est être serviteur des hommes. Comment? Les chardes? Oui, une charde, oui, tout ça, tout à fait. Et regarde, tu vas au travail. Et ton employeur, ton patron, alors que tu n'as rien fait, se lève contre toi, commence à mal te parler. C'est un langage du Seigneur. Mmh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, ma sœur. C'est un langage du Seigneur. Oui, tout à fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est écrit ou pas? Ok. Quelqu'un dit au Seigneur, Seigneur, je veux apprendre l'humilité. Donne-moi l'humilité. Donne-moi être humble. On dit, ok, pas de problème, c'est une bonne prière, ça. Ton employeur s'appelle comment? Jean-Jacques. Jean-Jacques, oui, il est athée. Hein? Jean-Jacques, oui. Parle mal un peu à ma fille, là. Ben oui. Regardez, les gens pensent que le Seigneur n'utilise que les chrétiens. Qui vous a dit ça? Mais vous, on a réduit le Seigneur à un petit Elohim. Il est souverain, il est tout puissant. Même le diable est à son service. Attendez. Satan, oui. Va pas là-bas. Oui, maître, il exécute. Oh, vous pensez que les attaques de Satan sont... Enfin, le Seigneur est surpris par les attaques de Satan. Oh, Michael, on est surpris, hein. Satan attaquait là-bas. Non, avant que Satan ne soit Satan, le Seigneur savait qu'il allait être Satan et allait attaquer les gens. C'est pour ça qu'on dit que toute chose concourt au bien. C'est toute chose concourt, c'est littéralement toute chose travaille avec le bien dont tu as besoin. Pour ton bien. Paul devait être humble, oui ou non?
Et le Seigneur a envoyé qui pour l'aider? Un démon. On dit un ange de Satan pour me fouetter. Et Paul dit, écoute-moi démon, sors, va plus loin. Trois fois il a prié. Hein. Au nom de Yeshua, le démon dit, j'ai été envoyé. Parce que le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Donc le démon, hein, oublie-le. Regarde à ma grandeur. Le Seigneur voulait frapper Akab. Les esprits se sont réunis. Et le Seigneur demande, qui va le séduire? Chacun parlait, moi. Il y en a un qui est venu. Il dit, moi je vais réussir. Vous avez dit, comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge. Or, on sait que le Seigneur n'est pas menteur, ni les anges qu'il a créés. Donc cet esprit, c'est un démon. Et le Seigneur dit, vas-y, tu vas y arriver. Vous vous rendez compte? Donc c'est que même les sorciers là, ils le savent, même ceux qui sont ici, ils savent qu'ils ne peuvent agir que dans les limites que le Seigneur leur a assignées. C'est ce que vous comprenez? Oh, là voilà, vous comprenez la grandeur du Seigneur, non? Alléluia! Waouh! Père, merci! On peut l'acclamer, oui. Alléluia! Regardez, le langage du Seigneur. Dans le langage du Seigneur, il y a aussi les épreuves, là. On va finir avec ça. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. De l'Égypte à Canaan. On est d'accord, hein? Maintenant, en sortant comme ça, ils arrivent vers Moab. Le roi de Moab tremble. Barak. Il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? On lui dit, non, il faut envoyer quelqu'un chercher le prophète Balaam pour maudire ce peuple. Balaam vient. Allez, ils ont fait des hôtels. Ta, 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 ta. Allez, les incantations. Ça n'a pas marché. On dit, la divination ne peut rien contre Jacob. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, celui qui était appelé pour maudire, maintenant, commence à bénir. En fait, le Seigneur voulait bénir ce peuple. Mais il va se servir d'un roi païen qui va utiliser la sorcellerie. Maintenant, les sorciers viennent, notamment le roi, ont béni le peuple. Il y a des hôtels qui sont construits contre toi, des hôtels de sacrifice là, pour te tuer. Mais si toi, tu crains le Seigneur, tout ce qu'ils ont dépensé comme sous, ça va être pour ta bénédiction. En fait, ce sera pour confirmer que tu es béni. Vous comprenez la chose? C'est pour cela que quand les gens t'attaquent, tu dois comprendre sur le langage du Seigneur. Avant, on s'agitait. Moi, quand les gens me critiquaient, alors je faisais des vidéos. Hein. Plus charnel que moi, il n'y avait pas. Hein. Ah, prédicateur, mais charnel. Tu me touches. Ah, une vidéo! Ah non! Bien vivant, ça dit, toi, je vais te tuer. Je me rappelle le premier qui a commencé à faire des vidéos contre moi. Un monsieur, un fou. Hein. On m'a dit, il y a une vidéo contre toi. Quoi? Traumatisme, hein? Traumatisé, choqué, blessé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on va taper la personne? Non. Vous voyez, les gens, ils viennent t'attaquer, ils sont à quatre. Nous, on était une vingtaine, mais on se cache. Et les gens se moquent de toi en disant, non, voyez, c'est un pleutre, il s'est caché. Non, t'es brisé. Le langage du Seigneur. Donc la souffrance, là, toi qui crains le Seigneur, c'est un langage du Seigneur. C'est-à-dire, par la souffrance, le Seigneur veut te purifier, te nettoyer. C'est ça, le langage du Seigneur. Et souvent, on ne le comprend pas. Ton patron qui t'insulte, qui est méchant, tout ça, là, garde le calme. Dans l'Ecclésiaste dit ceci. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Car le calme prévient de grands dangers. Parce que souvent, quand on est oppressé, quand on est secoué, là, c'est là qu'on prend des mauvaises décisions. Là. On ne prend pas les bonnes décisions, on les prend dans le repos, pas dans l'agitation. Vous comprenez? Donc, c'est le langage du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Voilà comment on doit prier. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et là, il va te parler. Ah ouais, ah d'accord, j'ai compris. Tu demandes l'amour, non? Seigneur, donne-moi l'amour. Mais comment on va savoir que tu veux l'amour? Il faut qu'il y ait l'épreuve.
Parce que l'amour selon le Seigneur, ce n'est pas aimer ceux qui t'aiment seulement, mais aimer tes ennemis. C'est plus compliqué. Aimez vos ennemis, c'est écrit ou pas? Bénissez ceux qui vous maudissent, c'est écrit ou pas? Donc maintenant, comment tu veux bénir ceux qui te maudissent si tu n'as pas la bénédiction avec toi? Donc si tu as la bénédiction, elle doit être éprouvée. Comment? Par la malédiction qui est lancée contre toi. Oh, yo, 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 yo. Le langage du Seigneur. Celui-là, là, on a du mal à le comprendre, hein? Parce qu'on est trop rempli de chair, on est... Voilà. Moi, on ne me parle pas comme ça, non, jamais. Non, je ne suis pas n'importe qui, hein. Ça dit, si, toi de la poussière. Tu n'es rien. On m'a craché dessus, je n'ai rien dit. On m'a donné des coups de poing, je n'ai rien dit. Oula. Oula. Qui a du mal à comprendre ce langage-là? Ouyo, yo, 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 Seigneur mon roi. Vous avez vu le prophète Samuel? Il voit Eliab. Ah non, celui-là, c'est l'homme du Seigneur. C'est lui que je dois oindre. Seigneur, non, 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 ne regarde pas son apparence. Le langage du Seigneur, il ne parle pas comme nous. Il devait guérir quelqu'un. Il crache par terre. Il fait de la boue, de l'argile. Il l'applique sur ses yeux. Un aveugle, non? Cet homme n'avait jamais vu. C'est ça, non? Il n'avait jamais vu. Il est né aveugle. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va rajouter encore un fardeau sur ses yeux. Tac! Il dit, portez mon fardeau, s'il a dit. Donc cet homme était doublement aveugle. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Maintenant, va te laver au réservoir de Siloé. Il n'a pas dit, Pierre, accompagne-le. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Quelqu'un qui ne sait même pas où se trouve Siloé. Et c'est à lui que le Seigneur dit, va te laver maintenant au réservoir de Siloé. Le langage du Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas guéri tout de suite? Tu aurais pu? Non. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Tu vois, non? Le langage du Seigneur. Ah. Il va te faire faire des choses qui vont te faire passer pour un fou. C'est-à-dire qu'il te sort de la normalité. Il te sort de la norme. Il te sort du monde normal. Il se sert des gens normaux. Et ils utilisent qu'ils accomplissent des œuvres exceptionnelles, extraordinaires. Mais pour accomplir ces œuvres-là, il faut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Or, un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui capte la volonté du Seigneur, qui capte le message du Seigneur, le langage du Seigneur, qui comprend quand le Seigneur le parle. Quand le Seigneur le parle, il saisit. J'ai toujours dit ça, Seigneur, tout ce que tu me diras, je le ferai. Parfois, je ne suis pas compris. Il y a des gens qui viennent, non, tu sais, cette personne n'est pas une bonne personne. Le Seigneur me dit, continue à l'aider. C'est comme ça. Combien de gens ont voulu me contrôler? Voilà pourquoi, je vous donne, pour finir, hein, ne laissez personne vous contrôler. Personne. Et nous devons nous-mêmes veiller pour ne pas contrôler les frères et sœurs. On doit plutôt laisser les gens dire aux gens, de faire ce que le Seigneur leur dit de faire. Ça, c'est capital. Parce qu'il y a des gens, par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils sentent, leurs convictions, leurs songes, leurs visions, ils peuvent vous faire faire des choses. Non, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, vous n'avez plus vous-même le dit. Non, 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 moi, je veux faire ce que le Seigneur me dit de faire. Parce que chacun a aussi son réma. Je ne parle pas de la parole d'abord qui est écrite ici. Je prends un exemple. Si tu vois quelqu'un qui prend la femme de quelqu'un et tu dis, là, non, la Bible dit qu'il ne faut pas convoiter la femme de quelqu'un. Là, c'est écrit. Là, on se soumet tous. Mais après, il y a le réma, ce que le Seigneur vous dit. Par exemple, moi, quand le Seigneur me dit, fais une réunion, ben, si je sens ça, je fais. Mais si quelqu'un vient me voir, me dit, il ne faut pas faire. Je dis, non, je fais ce que le Seigneur me dit. Ah non, mais il n'écoute pas. Mais ce n'est pas grave, tant pis. J'écoute le Seigneur, mais plutôt plus le Seigneur que les hommes. Voilà. Donc le réma que tu as reçu, qui concorde avec la parole, qui est en accord avec la parole écrite, eh ben, il faut la garder. Si tu la laisses de côté, tu vas échouer. Voilà. Tu vas échouer. Je me rappelle que j'ai reçu deux courriers d'un monsieur et il m'a appelé en plus de ça.
pour me dire non, il faut arrêter de vérifier toujours dans le grec et tout ça, traduire. La Bible, elle est déjà traduite, tout ça, il faut arrêter, il ne faut pas faire encore d'autres traductions, il faut te limiter à ce que tu as fait. Il était en colère. Et je dis, c'est bon. Il a envoyé un deuxième courrier par la poste. Le deuxième courrier, je ne l'ai même pas ouvert. Je lui dis, celui-là, je mets une croix sur lui, fini. Et heureusement que je ne l'ai pas écouté. Je l'aurais écouté alors que je ressentais l'appel du Seigneur. Je sentais qu'il fallait absolument continuer le travail. Je l'aurais écouté, il n'y aurait pas eu la restauration des noms des personnages bibliques en hébreu, notamment Yehoshua. Vous vous rendez compte? Comment l'ennemi est malin? C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas pousser les gens à faire des choses contraires à la volonté du Seigneur. En disant, non, il faut absolument que tu enseignes telle chose. Non. Prie quand c'est comme ça. Prie. Et c'est pour cela que personnellement, le Seigneur te cache, il me cache de temps à autre pour travailler, pour bosser. Depuis le commencement, des gens ont voulu toujours mettre la main sur moi pour me gérer. Et à chaque fois, je lui disais non, ça pétait. Ah, ça va se casser, dans 6 mois, c'est fini. Mais je disais aux frères et sœurs, le Seigneur m'a communiqué son langage. Et on verra les fruits. Et à chaque fois, on voit les fruits. À chaque fois. Jusqu'à la fin, l'obéissance. L'obéissance. D'accord? Tu sens qu'il faut que tu te sanctifies, ma sœur. Arrête avec le péché. Même si l'autre dit non, on va continuer. Non. Toi, tu as compris le langage du Seigneur pour toi. C'est ta vie que tu dois sauver. Obéis. Applique. Ouvre ton oreille. Certaines séparations sont nécessaires, indispensables, vitales. Ouais. Ne subissez pas la relation ou l'amitié des gens. C'est à vous de choisir dans la prière avec qui être. Dans la prière. Celui qui traîne avec les sages devient sage. Qui traîne avec les insensés devient insensé. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si vous traînez avec des gens qui disent à chaque fois « Non, c'est difficile. Non, c'est difficile. Non, le monde est pourri. Il ne faut rien faire. » Mais attendez, on a reçu l'onction pourquoi? Pour aider les malades, non? On a reçu l'onction pourquoi? Pour aider les sorciers, même s'il y a des sorciers. Mais il ne faut pas avoir peur des sorciers au point où on ne va plus les saluer, on ne va plus aller rendre visite aux gens. Non. Je me rappelle une sœur, il y a peut-être un mois, elle est venue au bureau. Ses parents sont sorciers. Je lui disais, mais elle disait, mes parents, s'ils m'appellent, je ne veux pas leur parler, tout ça, parce qu'ils sont sorciers, tout ça, je ne veux même pas aller chez eux. Je dis, non, mais ce n'est pas ça, c'est parce que la parole nous dit. Non, mais tu sais, je risque d'être touché, tout ça. Je dis, mais non, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et on a partagé. Frères et sœurs, on a reçu l'onction du Seigneur. On a reçu le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi faire? Pour se cacher avec ses dons, ses talents? Mais on va. Ceux qui se cachent avec leurs dons parce qu'ils ont peur des autres, parce qu'ils voient la méchanceté autour d'eux, si vous vous cachez, ça veut dire que vous avez creusé dans la terre, vous avez caché les talents que le Seigneur vous a donnés. Et ce n'est pas ça l'amour du Seigneur. Voilà. Il nous a envoyés au milieu des loups. Ne l'oubliez jamais. Jamais. Sinon, vous allez être dans le mysticisme, vous allez être des mystiques. Et nous vivons dans un monde où il y a des méchants partout. Nous évoluons dans un monde, nous grandissons dans un environnement où il y a des satanistes à l'école, au travail, partout. On prend le transport, il y a des gens bizarres, partout. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes tués. Et en plus, on était dans le monde. Sans le Seigneur, on était protégés, on était gardés. Maintenant qu'on est enfant d'Elohim, on va commencer à trembler quand on apprend qu'il y a un sorcier là, il y a une femme sorcière, un tel... Mais vous vous rendez compte? C'est quoi cet esprit de peur là? Ayez le langage du Seigneur. Il peut vous cacher pendant quelques temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ensuite il va vous demander de faire son œuvre auprès des hommes et des femmes qui ont besoin d'être libérés, besoin d'être écoutés, besoin d'être libérés. Et voilà, nous on a mangé avec des satanistes.
On a grandi avec des satanistes. On a évolué avec des pasteurs satanistes, grands satanistes, mais n'ont plus rien nous faire. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est souverain, il est tout-puissant. Le langage du Seigneur. La compréhension du langage du Seigneur est la clé de votre succès, de votre percée dans le monde spirituel et dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Et son langage, c'est la sanctification. Son langage, c'est l'amour. Son langage, c'est la crainte du Seigneur. Et quelqu'un me parlait de la crainte hier du Seigneur. Et quand je suis rentré, le Seigneur me faisait comprendre, parce qu'on a parlé de l'amour, cette parole qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Vous voyez ? Parce que quand on est rempli de l'amour du Seigneur, on ne va pas avoir peur de lui. Voilà. On ne va pas pécher volontairement parce qu'on a peur d'être frappé. On ne va pas pécher volontairement parce qu'on ne veut pas décevoir le Seigneur. C'est différent. Vous voyez ? Voilà. Donc l'amour parfait bannit la crainte. Donc la crainte, on doit l'avoir, mais on doit aller au-delà de la crainte, c'est-à-dire l'amour du Seigneur qui doit nous empêcher de pécher volontairement, de faire du mal aux autres et aussi de refuser l'appel du Seigneur. Que le Seigneur soit béni, soyez encouragés, soyez fortifiés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. J'espère que vous avez été encouragés. Voilà, gardez vos masques. Père, merci pour l'évangile, merci pour ta parole. Aiguise notre entendement spirituel, ouvre notre entendement spirituel, Seigneur, que nous saisissions ta pensée. Nous voulons être enseignés par ton esprit. Merci de nous aider, Seigneur. Garde-nous, merci pour ton amour. Nous avons beaucoup de défauts, nous avons beaucoup de failles. Heureusement que tu es l'Élohim de la grâce. Accorde-nous encore ta grâce, Seigneur. Merci pour la France. Merci pour l'Europe, merci pour les nations. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les hommes et les femmes que tu sauves, Seigneur Papa. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Merci pour nos cœurs, Seigneur, que tu façonnes. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Merci, Père. Julien, merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent abandonner le péché? Levez-vous, vous qui voulez abandonner le péché. Voilà, donc ce que le frère avait reçu, c'est la repentance, hein, c'était ça, hein? La repentance, c'était ça? Ok. Ok. Est-ce qu'on peut s'incliner tous devant le Seigneur comme ce que le frère a reçu? Seigneur, nous voulons nous incliner devant ton trône. Nous voulons nous incliner, nous humilier devant toi, Père très saint. Garde nos cœurs, pardonne-nous. Pardonne nos fautes. Nos manquements, Père très saint. Au nom de Yeshua, nous avons besoin de ton soutien, de ton aide. Que nos cœurs soient régénérés, que nos pensées soient renouvelées, Père très saint. Tu es celui qui nous sauve, celui qui nous guérit, qui nous restaure. Seigneur, nous voulons reconnaître ta grandeur, ta majesté, ta puissance. Père, au nom de Yeshua. Que la puissance du péché soit brisée au nom de Yeshua, maintenant. Toi, esprit impur, toi qui possèdes ce corps, quitte cette femme, lâche-la. Voilà, lâche-la. Lâche-la, tu t'en vas. Tu vas quitter cet homme également. Tu vas t'en aller, ce lien que le Seigneur brise, ma sœur, au nom de Yeshua. Cette chaîne que le Seigneur renverse ce soir. Le Seigneur te sort de cette confusion. Maintenant, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Sors de là.
Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors. Sors. Voilà. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Quitte-la. 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 Au nom de Yeshua. Sors, sors, serpent. Non, serpent là. Tu sors, tu sors, tu sors de là. Allez, tu sors. Allez, sortez là, au nom de Yeshua. Sortez. Allez, sortez. Sortez. Sortez au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Merci, Père. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, Papa.